sont bien dans les différents sites. Alors, on va commencer avec l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Ça va, vous nous entendez bien? Oui, très clairement. Merci. L'Université de Sherbrooke, le campus de la santé. No, I don't think so. But they'll check for us. We can't hear them either. L'Université de Sherbrooke. I think one has to mute it for here. Université de Sherbrooke, campus de la santé, on n'a pas le contact, on va vérifier qu'est-ce qui se passe. On va continuer. Université de Sherbrooke, campus de Longueuil. Université de Sherbrooke, ni l'un ni l'autre. On va regarder qu'est-ce qui se passe. Le CHUM. Est-ce que le CHUM, vous nous entendez? Non, pas, ils sont en train. Oui, il manque peut-être, les gens ne sont pas là. Well, I think you put the mute on. M-U-H-E-C. Le CUSUM. The voice here. On les entend. M-U-H-E-C, ils ont la même adresse que ce que tu dis. OK, le CUSUM, est-ce que vous nous entendez bien? Oui, c'est bon, merci au CHUM. Le CHUM, OK, parfait. Le CHUM, c'est bon. L'Université Laval. Est-ce que tu les vois, Christine? Je les ai vus tantôt. C'est l'Université Laval, c'était samedi. OK, il n'y a personne à l'Université Laval pour l'instant. On va continuer. Lucar, le campus de Rimouski. Oui, on vous entend bien ici. OK, parfait, merci. Lucar, le campus de Lévis. OK, il n'y a personne pour le moment, donc c'est pour ça qu'ils ne nous répondent pas, mais on les a à la caméra. Lucat. Lucat, est-ce que vous nous entendez? Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Non plus. est-ce que ce serait un problème de son ou? Non. Ben, ils sont là. Ceux qui écoutent trop, ce qui arrive souvent. Et l'Université du Québec à Chicoutimi. Oui, on vous entend très bien, merci. Parfait. Merci. Merci. Alors, je vais vérifier l'Université de Sherbrooke, campus de la santé à Sherbrooke. Non. Pas plus non plus. OK, puis l'Université de Sherbrooke, campus de Longueuil. L'Université de Sherbrooke, j'ai ni l'un ni l'autre. Université Laval, est-ce qu'ils sont arrivés? Non plus. OK. Bon, est-ce que je te... Je m'attends une minute. OK. L'Université du Québec à Rimouski. Je vois Daniel, c'est ça? Est-ce que tu m'entends bien? No, we don't hear. Oui. OK. Puis Lucar, le campus de Lévis, je n'avais pas de réponse tantôt. Nous ici, on est à Lévis, là. Ah, t'es à Lévis, puis le campus de Rimouski? Bonjour, le campus de Rimouski. On vous entend très bien, merci. OK, parfait. Alors, il nous manquait juste l'Université de Sherbrooke. Je vais laisser peut-être... Laquelle salle, je ne sais pas, parce que personne n'a répondu. OK. Donc, dans ce cas-là, nous allons commencer. Je pense que presque tout le monde, à part le campus à Sherbrooke, fonctionne bien.
Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir accepté notre invitation. C'était une belle occasion. C'est une belle occasion pour nous de vous présenter notre équipe et puis ce qu'on fait ici à l'université. Alors, la présentation d'aujourd'hui s'intitule « Mieux se connaître pour mieux se réseauter », portrait de la recherche au département des sciences infirmières de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Alors, en fait, l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout de favoriser les liens de collaboration entre les différents membres du RESIC, ayant évidemment un intérêt commun pour la recherche, mais pour voir un petit peu chacun quels sont nos intérêts et favoriser finalement le réseautage. Faire connaître également les membres du département des sciences infirmières de l'Université du Québec à Trois-Rivières auprès des autres membres du RESIC. Et enfin, identifier les principales thématiques qui animent les professeurs de notre département impliqués en recherche, ainsi que les infrastructures auxquelles nous bénéficions. La présentation d'aujourd'hui, en fait, c'est un grand défi parce que nous allons être 8 à présenter aujourd'hui. Alors, on a organisé la présentation comme suit. Dans un premier temps, on va prendre quelques minutes pour vous faire un portrait général du département des sciences infirmières de l'Université du Québec à Trois-Rivières, où on va vous parler de la composition de l'équipe professorale dans sa globalité. On va faire un portrait un peu plus spécifique des différents membres du RESIC ainsi que des unités de recherche qu'on a ici à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ensuite, le cœur finalement de notre présentation, pour lequel on va s'intéresser aux différents axes et projets de recherche des membres du RESIC de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Nous les avons regroupés en 4 grands thèmes, soit enfance-famille, intervention dans les services de santé, proche aidant, partenaire et gérontologie, et enfin, santé cardiovasculaire et soins critiques. Donc, on a fait des regroupements de professeurs selon ces 4 grands thèmes-là. On va terminer avec la présentation des autres professeurs qui sont présents ici dans la salle, où ils pourront se présenter puis dire un peu, grosso modo, leurs intérêts de recherche, pour terminer avec une conclusion et laisser suffisamment de temps aux échanges et aux questions par la suite. Alors, je vais juste avant de commencer, je vais vous demander pour les différents sites pour s'assurer que la conversation soit pas trop, qu'il n'y ait pas trop d'interférences, de vous mettre en discrétion. Donc, c'est pour faciliter l'écoute, puisqu'on est quand même plusieurs sites là, sur place. Alors, la première partie de la présentation, je vais laisser la parole à ma collègue Patricia Germain, qui va vous dresser un portrait du département des sciences infirmières. Patricia est professeure ici à l'Université du Québec à Trois-Rivières et elle est également directrice du département des sciences infirmières. Alors, à toi, Patricia. Merci, Julie. Alors, voilà. Alors, un portrait rapide de notre département. Nous avons un programme de baccalauréat au premier cycle et nous avons 2000 dossiers étudiants. Pour vous donner une idée de l'ampleur de notre travail qu'on fait ici. Au niveau du deuxième cycle, on a différents programmes de maîtrise. On a actuellement 90 dossiers actifs à la maîtrise. Nous n'avons pas de doctorat en sciences infirmières. Toutefois, nos professeurs sont impliqués dans la direction de programmes de projets de recherche dans différents doctorats, dont notamment les doctorats en sciences biomédicales, qui est un programme avec l'UDM, qui est en extension ici à l'UQTR, doctorat en psychologie et aussi en sciences de l'éducation. Notre équipe professorale est composée de 26 professeurs, dont 21 professeurs-chercheurs, dont 7 professeurs sont étudiantes au doctorat. Ce qui est une caractéristique de notre équipe, c'est que notre équipe est très jeune, est en émergence. Nous avons aussi 5 professeurs cliniciennes, dont 2 professeurs IPSBL et une professeure clinicienne qui est également étudiante au doctorat. Nous avons aussi des professeurs impliqués dans différentes unités de recherche, que ce soit groupe ou laboratoire. Donc, ces professeurs-là vont vous adresser tout à l'heure, selon leur affiliation, les axes de recherche qui sont présentés là-dedans. Je prends la parole tout simplement pour vous faire part, en fait, des différents membres de notre département, les membres, en fait, du RESIC de notre département. Alors, nous avons au total 14 membres du RESIC à l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui se répartissent finalement dans les différents regroupements stratégiques. Donc, le regroupement stratégique 1, je suis la fière représentante de ce regroupement-là à l'UQTR. Comme vous pouvez le constater, le regroupement stratégique 2, qui est accessibilité, continuité et sécurité des soins, on a quand même plusieurs membres de notre département qui font partie de ce regroupement-là. Donc, plusieurs vous adresseront la parole tantôt. Parmi ceux et celles qui
s'ils ne présenteront pas aujourd'hui, c'est simplement parce qu'ils n'avaient soit pas la disponibilité, qu'ils sont en sabbatique ou en perfectionnement, donc absents d'ici. Et le recrutement stratégique 3, soins personnalisés, on compte en fait 5 professeurs au département qui font partie de ce regroupement. Donc, vous voyez, on a quand même une belle représentativité de nos professeurs au sein des différents regroupements stratégiques du RISIC. Alors, maintenant, on va aller au cœur de notre présentation, les différents axes de recherche des professeurs impliqués au RISIC, ainsi que les projets de recherche qui les animent. Comme je vous le mentionnais, on a regroupé les différents projets en thématiques, donc enfance-famille. Nous avons 4 professeurs du département qui vont vous adresser la parole aujourd'hui en lien avec ce thème-là. Alors, il va y avoir Patricia, Marie-Josée, je vais vous inviter peut-être à venir en avant pour que ça roule bien pour la prochaine partie. Roxane Lemieux, qui est absente aujourd'hui, étant donné les conditions routières particulièrement difficiles, elle ne va plus se déplacer, donc on va quand même, Nicolas va présenter les projets qu'il partage avec Roxane, et Nicolas Berthelot, qui est notre autre membre du RISIC, là, qui fait partie de cette thématique. Alors, je vais laisser la parole à Patricia, qui va débuter la présentation. Alors, le premier thème, enfance-famille, nous sommes tous également membres du Centre d'études interdisciplinaires sur le développement de l'enfant et la famille. Un terme pour définir ce centre-là, axé sur le développement de l'enfant au travers tant la période périnatale que son ontogenèse, que sa relation avec sa famille, avec les différents services, que ce soit sociaux ou de la santé. Donc, on va vraiment avoir une trajectoire où on va suivre l'enfant. Et évidemment, on a un intérêt plus particulier dans ce contexte-là, dans tout ce qui est concept de vulnérabilité au sens large. Et c'est pourquoi que vous allez voir les différents axes qui se prennent à travers tout ça. On va aller assez rondement parce que ce qu'on veut que vous reteniez, c'est les mots-clés, les éléments clés, les éléments phares sur lesquels on pourrait peut-être se rencontrer ou parfois même faire des projets ensemble. C'était notre objectif aujourd'hui pour l'ensemble des professeurs qui sont ici. Donc, on va aller assez rondement et puis on pourra à la fin reprendre certaines discussions en lien avec cela. Donc, pour ma part, personnellement, j'ai comme background, je m'excuse d'anglicisme, bac et maîtrise en sciences infirmières. Je me suis spécialisée au niveau du doctorat en sciences humaines appliquées. Donc, j'ai une approche beaucoup plus axée sur l'aspect anthropologique, sociologique de la santé, si je peux m'exprimer ici. Il y a 3 mots-clés qui orientent mes projets, soit l'adoption internationale, le développement et les différences culturelles. Vous voyez que c'est interrelié. Actuellement, sont en cours des projets qui touchent les trajectoires de vie des familles, les discours autour de l'adoption internationale et l'impact que ça a, donc les discours médiatiques et l'impact que ça a sur les familles. Au niveau du développement, ben, tout ce qui va être projet pour le soutien au développement de l'enfant, entre autres avec un projet au niveau du développement de la lecture et un projet pour des stratégies pour les infirmières en pédiatrie pour soutenir le développement des enfants. Et enfin, un projet sur les différences culturelles pour l'approche à la différence culturelle, tant au niveau des infirmières, mais également des organismes communautaires avec lesquels on va travailler, surtout en petite enfance. Voilà. Je suis également membre de Society of Pediatric Nurses, qui est un regroupement américain pour le développement d'outils pour les infirmières en pédiatrie sur le développement, mais également de lignes directrices. Je laisse la parole à ma collègue Marie-Josée. Merci. Alors, un peu comme prendre le même terme que Patricia, moi aussi j'ai un background, je vous dirais, plus au niveau sciences infirmières, au niveau de la maîtrise, et c'est-à-dire au niveau du bac, au niveau de la maîtrise, fait à l'Université de Montréal, et également un doctorat qui a été fait en sciences cliniques à l'Université de Sherbrooke, mais un background aussi comme infirmière, dont j'ai été 10 ans de temps infirmière au CHU Sainte-Justine, dont les 5 dernières années en pratique avancée, spécifiquement en néonatologie. Principalement, 3 thèmes qui me définissent, donc les soins du développement, la relation parent-enfant prématuré. J'ai aussi d'autres projets là, que je pourrais vous parler tout à l'heure. Donc, principalement, les soins de développement. Actuellement, un projet qui a été fait, c'est-à-dire qui est en cours de développement avec Marine Aïta, membre également de l'équipe qualité en soins et en soins de développement au CHU Sainte-Justine, qui me permet d'aller expérimenter davantage sur le terrain
l'implantation de différentes pratiques, par exemple l'implantation de la méthode kangourou avec les chaises zéro gravité, l'implantation des bains à mailloter, du massage, tout ça, qui permet d'avoir un pied beaucoup plus, je vous dirais, terrain, et c'est ce que j'apprécie énormément dans mon rôle. Également aussi d'autres, il y en a plusieurs, les transitions aussi au sommeil sécuritaire. Au niveau de la relation parent-enfant, actuellement un projet en cours au CHU Sainte-Justine pour aller voir comment s'établit la relation père-enfant prématuré. C'est ce qui m'intéresse davantage. Au niveau du doctorat, j'avais fait plus mère et père-enfant prématuré. Quelques difficultés de recrutement au niveau des papas, alors j'ai continué, j'ai obtenu du financement pour les pères pour aller voir comment les pères s'intéressent, pas s'intéressent, mais font plus la relation avec leur enfant. Il y a aussi différents articles, dont un qui est actuellement en cours là, au niveau de l'utilisation de la théorisation ancrée au niveau de la relation par enfant. Et une série d'articles dont j'ai eu la confirmation la semaine passée au niveau des perspectives infirmières qui va se faire dans un cadre de chronique en périnatalité. Au niveau mobilisation au niveau des connaissances, ben, deux livres actuellement en cours, dont un que je suis à la veille là, d'accoucher. Il reste quelques lignes à écrire, principalement au niveau des parents, qui va s'appeler « Tisser des liens pour la vie à l'unité néonatale », qui va s'adresser vraiment au niveau des parents. Un autre qui est fait plus pour les professionnels de la santé, qui va s'appeler « Les soins de développement » deuxième édition. Quatre formations aussi enregistrées au niveau de l'OPIC, qui est destinée aux professionnels de la santé. Je pense que vous le savez, là, j'ai beaucoup de formations et c'est ce que j'aime également dans mon rôle de professeur. Des conférences, fiches parents prévues, capsules web également, et deux certifications américaines pour aller garder mon expertise. Alors, c'est un peu ce qui me définit. Je passe la parole maintenant à Nicolas. Merci, Mme José. Donc, j'ai le droit à un peu plus de temps parce que je parle pour deux ce matin. J'ai parlé aussi pour Roxane qui a fait un 2 heures de route avant de rebrousser le chemin là, parce qu'il en reste encore beaucoup devant elle. Un petit mot pour vous dire, Roxane et moi, une de nos particularités, en plus de s'intéresser à la même chose, à peu près comme discipline, domaine de recherche, les deux, on est psychologue de formation et maintenant on travaille, on se dédie, on se dévoue aux sciences infirmières là, dans le cadre de nos recherches et de notre enseignement. Les deux, on est clinicien autant que chercheur, donc on a une bonne connaissance de la clientèle puis des difficultés qu'ils peuvent présenter, notamment en ce qui concerne la santé mentale. Donc, notre programmation de recherche, Roxane et moi, on travaille beaucoup en équipe. Là. Il y a certaines choses qui nous distinguent, mais généralement, il y a beaucoup de projets qui nous rattachent. On s'intéresse, ou comme point de départ, on s'intéresse énormément à toute la question des expériences difficiles vécues au cours de l'enfance, notamment sous la forme de l'abus, de la négligence. Donc, on s'intéresse à quelles sont les trajectoires d'adaptation suite à ces événements de vie difficiles, qui sont ceux qui s'en sortent bien, qui sont ceux qui vont présenter des difficultés tout au cours de la vie. Parce qu'on sait que c'est associé à peu près tous les troubles de santé mentale qui existent, un facteur de risque important pour la santé mentale, mais aussi pour la santé physique. Une particularité de nos travaux, c'est qu'on s'intéresse à une clientèle plus spécifique, qui sont les adultes, souvent les jeunes adultes, qui auraient vécu des choses difficiles au cours de leur enfance, puis c'est à leur tour de devenir parents. Donc, on a le projet qui s'appelle le projet STEP pour supporter la transition et l'engagement dans la parentalité, qui est vraiment un projet qui tourne autour de la parentalité chez les gens qui auraient vécu une forme d'abus ou de négligence au cours de leur enfance. Donc, à l'intérieur de cette programmation de recherche-là, disons qu'il y a trois volets ou trois axes. Le premier axe est plus fondamental, c'est-à-dire qu'on cherche à mieux comprendre justement quelles sont les trajectoires d'adaptation de résilience suite à l'expérience de choses difficiles au cours de l'enfance, l'expérience d'abus ou de négligence. Donc, quels sont les facteurs qui vont favoriser l'adaptation à la parentalité? Ou au contraire, qu'elles pourraient être des facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que certains adultes s'adaptent très mal à cette période de vie importante-là, qui est une période de crise hein, positive et négative. On sait, la parentalité, c'est la période de vie là, qui précède l'accouchement, puis l'année suivant l'accouchement, possiblement la plus à risque pour les femmes en ce qui concerne la santé mentale. Donc, on peut s'imaginer, pour ceux qui n'auraient pas eu des expériences très chaleureuses au cours de leur enfance auprès d'adultes, que c'est une période encore plus critique. Donc, on souhaite mieux comprendre leur trajectoire d'adaptation à ce moment-là, puis aussi, quelles sont les trajectoires d'adaptation de leur enfant. Donc, on sait qu'il y a des impacts intergénérationnels de la maltraitance. Donc, certains enfants nés de parents qui auraient vécu des mauvais traitements vont présenter des facteurs de risque qui sont similaires à ceux que leurs parents présentent. Pourtant, eux n'ont pas encore été exposés.
J'y peux encore être exposé parce qu'on sait aussi qu'environ le tiers des enfants nés de parents qui ont vécu des mauvais traitements vont être exposés à leur tour à des sévices similaires. Donc, on souhaite mieux comprendre tout ça. Hein. Quels sont les facteurs qui ont supporté la transmission intergénérationnelle puis qui vont permettre d'intercepter ces trajectoires. Dans un deuxième temps, on fait ces recherches-là pour en venir à développer des interventions cliniques en première ligne. Donc, on est en train de développer une intervention prénatale, manualisée, qui est destinée aux adultes en attente d'un enfant qui aurait vécu des mauvais traitements au cours de leur enfance. Donc, à notre connaissance, ça va être la première intervention de ce type à travers le monde. Ça a été financé par l'Agence de santé publique du Canada dernièrement. Donc, on a obtenu une subvention majeure pour développer ces travaux-là. Donc, ce qu'on va souhaiter faire, c'est venir intercepter ces trajectoires de risque que je viens de vous présenter, autant en ce qui concerne les parents eux-mêmes, leur adaptation, la détresse qu'ils peuvent vivre, mais aussi essayer d'intercepter les impacts intergénérationnels possibles de la maltraitance par des interventions prénatales qui pourraient être offertes en première ligne, notamment par des infirmières. Puis, un troisième axe vise aussi le développement de pratiques. Ah, OK, bon. Vous êtes encore là, j'espère. S'il y a comme un blackout. Vous faites un signe, vous êtes là? Un petit signe de la main, si vous nous entendez toujours bien, peut-être. OK, merci. Oui, c'est bon. Excellent. Merci. Donc, un troisième axe vise à apporter aussi des changements dans les pratiques, en ce qui tient compte, finalement, des pratiques qu'on va dire sensibles à l'expérience de traumatisme au cours de l'enfance, parce qu'on sait que c'est le tiers de la population générale qui ont vécu une forme d'abus ou de négligence en enfance, lorsqu'on travaille auprès de gens en contexte de vulnérabilité qui présentent des difficultés, bien, la prévalence augmente. Donc, quels sont les moyens d'adapter nos pratiques, finalement, pour être plus sensibles aux réalités de cette clientèle-là? Donc, c'est Anne qui... Oui. C'est juste qu'on n'a plus de PowerPoint. OK. On a plus la demande. Ils vont... C'est bon. On s'en occupe. Merci. Salut, donc. Merci. Donc, c'est Roxane qui s'occupe un peu plus spécifiquement. Je ne pointerai pas, vous ne voyez pas. Qui s'occupe plus spécifiquement de ce volet-là, finalement, où est en train de développer toute une formation qui va s'adresser aux infirmières pour les supporter, finalement, dans l'offre d'intervention qui serait plus sensible aux mauvais traitements vécu au cours de l'enfance. On a fait un webinaire, d'ailleurs, aux infirmières de la région la semaine passée, je pense. À ce sujet-là, il y a eu 130 inscriptions environ, ce qui montre l'intérêt là, que les infirmières portent par rapport à cette réalité. On est impliqué dans plusieurs activités de mobilisation des connaissances de façon générale. On essaie que nos données de recherche là, viennent influencer, en fait, les pratiques auprès des jeunes parents, auprès des enfants qui ont été exposés à des événements de vie difficiles. S'il y en a qui en souhaitent en savoir plus, vous pouvez consulter le site du CEDEF, qui a beaucoup d'informations sur ce que Marie-Josée et Patricia vous a présenté. Puis, éventuellement, pour notre projet STEP, là, vous pourrez consulter le projet step.ca. Au retour des fêtes, là, ça devrait être en ligne, puis vous allez avoir un peu plus d'informations sur ce projet-là. Ici, on raconte toutes sortes de difficultés, mais je continue à parler comme si vous m'entendez bien, d'accord? Si jamais ce n'est pas le cas, vous m'interrompez. Puis un petit mot pour vous parler d'un autre projet de recherche sur lequel je collabore. C'est un projet de recherche que j'appelle auprès des jeunes à risque. C'est-à-dire que je travaille auprès d'une équipe de chercheurs, de cliniciens, vraiment de tout azimut là, dans ça. Il y a sous la responsabilité de Dr. Michel Maziat, qui est pédopsychiatre, mais une équipe avec laquelle on collabore des biologistes, biostaticiens, neuropsychologues, même un ingénieur physicien, plusieurs infirmières, des ophtalmologistes, etc. Donc, c'est une équipe interdisciplinaire qui vise à mieux comprendre l'adaptation des jeunes qui seraient nés, cette fois-ci, pas d'un parent qui a vécu des mauvais traitements, mais de jeunes qui portent un risque génétique de développer un trouble de santé mentale majeur. Donc, on s'est intéressé à une vaste cohorte là, de jeunes qui sont nés de parents qui souffrent de schizophrénie ou de troubles bipolaires. On sait que c'est des jeunes qui sont 10 fois plus à risque de développer le même genre de troubles que leurs parents. Ceci étant dit, puisque c'est des troubles qui sont dans une prévalence d'à peu près 0,8%, 1% de la population générale, ils ont quand même 90% de chances de ne pas développer le trouble, mais c'est quand même un risque plus accru.
Donc, on souhaite mieux comprendre avant que ces troubles chroniques apparaissent, puis qu'on soit dans des interventions davantage de rétablissement ou d'adaptation à leurs difficultés, parce qu'on sait que c'est des troubles chroniques. On souhaite mieux comprendre leur trajectoire développementale pour encore une fois être en mesure, si possible, d'intercepter le développement de schizophrénie, troubles dépressifs majeurs, récidivants, troubles bipolaires. Donc, on s'intéresse à toute leur trajectoire de risque à l'intérieur de ça. On s'intéresse notamment aux marqueurs cognitifs du développement de la maladie. Donc, des marqueurs, quand je parle de marqueurs, c'est des facteurs de risque au cours du développement qui viennent prédire d'une certaine façon qui, à travers cette cohorte-là de jeunes à risque génétique, qui risque de transiger éventuellement autour de l'âge adulte vers un trouble psychiatrique majeur. Donc, on s'intéresse aux marqueurs cognitifs. L'abus de la négligence serait fortement associé aussi au développement de ces troubles-là. La présence de symptômes atténués de psychose, la consommation, on fait des électrorétinographies, là aussi, il y a des marqueurs, ce qu'on appelle des biomarqueurs de la maladie qu'on est capable d'identifier chez les adolescents et les jeunes. Donc, c'est un vaste projet de recherche, finalement, qui souhaite à mieux comprendre la schizophrénie, les troubles bipolaires, leurs causes, puis leur développement. Encore une fois, on essaie de se servir de ça pour influencer nos pratiques. Donc, il y a le projet HOPE qu'on mène actuellement, qui est HOPE pour Horizon Parents-Enfants, qui vise à intervenir de façon systématique auprès des enfants qui sont nés d'un parent qui souffre d'un trouble psychiatrique majeur. Donc, actuellement, c'est des services très compartimentés. Quand un jeune a besoin d'aide, on s'occupe du jeune parce qu'il présente des difficultés cliniques. Quand un parent présente des difficultés cliniques, on s'occupe du parent. Mais même si c'est une force majeure des approches en sciences infirmières, c'est rare qu'on intervienne auprès de la famille dans son ensemble. Donc, c'est ce qu'on souhaite faire auprès du projet HOPE. Puisque les infirmières, c'est déjà parmi leurs spécialités, il y a un volet de ce projet-là qu'on appelle la navigation de la trajectoire qui cible spécifiquement les infirmières. Donc, on souhaite amener des infirmières qui travaillent en santé mentale en premier plan dans ce projet-là avec un projet qui s'appelle la navigation de la trajectoire. Donc, on essaie de faire essentiellement à peu près la même chose qui est fait avec les infirmières pivots en oncologie. Donc, d'avoir des infirmières qui vont suivre les jeunes et la famille tout au long de leur trajectoire de soins. Éviter le plus possible les ruptures de service qui sont nombreuses à cause des intervenants qui changent, à cause de la rupture de service avec l'âge de 18 ans, etc. Donc, c'est un projet qu'on a reçu une subvention de la fondation de l'OIQ l'année dernière pour réaliser ce projet-là, qu'on mène en collaboration avec le CIUS, la capitale nationale. Bonjour. J'ai l'impression qu'on est déconnecté. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez dans les sites de visioconférence? On est déconnecté. Marjolaine, est-ce que tu nous entends? Oui, moi je suis là. OK, parfait. Alors, je pense qu'on a perdu toutes les visioconférences. On va. On vous entend à l'Université de Montréal. Oh, super. Merci. Parfait. OK, est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent s'en intéresser? Okay. On vous entend, on est en plus de Lily. Merci. On vous entend, Chum. Bon, c'est des bonnes nouvelles. Merci. Nous voyez-vous en plus? Oui, on vous entend. On vous voit aussi. Enfin, nous, on ne vous voit plus, mais on vous entend. Bon, ben, excellent. Oui, on donc, je on vous entend au cuisine aussi. OK, merci. Merci. Donc, je cède la parole à ce moment-là à Liliette pour la suite. Merci. Mais les diapos sont très difficiles à lire, malheureusement. Les diapos sont difficiles à lire? OK. On va les déposer pour qu'ils puissent être déposés sur le site du RESIC. Alors, on s'excuse pour ce problème technique. On va poursuivre quand même la visioconférence en expliquant les différents thèmes, mais soyez assurés qu'on va faire suivre les diapos afin que vous puissiez les avoir de disponibles sur le site du RESIC. Ça va? Le deuxième thème, dans le fond, qu'on voulait aborder, s'intitule l'intervention dans les services de santé. Elle va être présentée par Liette Saint-Pierre, qui est co-directrice de la chaire interdisciplinaire de recherche en intervention sur les services de santé et qui va nous présenter, en fait, ses projets de recherche puis peut-être les partenaires avec qui tu travailles. Il nous entend. On continue comme ça. Bonjour, je suis Liette Saint-Pierre, comme Julie vient de vous annoncer. Et je suis dans deux laboratoires différents. Ben, il y en a un, c'est une chaire de recherche privée. Alors, c'est la chaire IRIS. C'est la première que je vais vous présenter. Puis, je suis aussi membre régulière dans un laboratoire qui s'appelle le laboratoire du LORICAR
pour qui parle sur les troubles du comportement alimentaire. Alors, vous, sur les acétates que vous aurez, que vous recevrez, j'ai divisé en trois grandes sections. La première, au niveau de la chair iris, qui a commencé en laboratoire en 2008, puis qui est devenue une chair en 2011, puis nous avons renouvelé en 2016 pour les 5 prochaines années. Alors, cette chaire-là travaille en interdisciplinarité, puis c'est vraiment pour 4 grands axes, la gestion de la performance, tout le cheminement clinique du patient, tous les indicateurs de soins et de santé, mais au niveau aussi les indicateurs autant financiers que de qualité de soins. Alors, on travaille beaucoup avec qualité, continuité, accessibilité des soins. Et je vous dirais tout ce qui s'appelle simulation, alors tant la simulation informatique que la simulation d'immersion. Alors, dans la gestion de la performance, je vous dirais, on est 9 profs de l'UQTA qui sommes membres de cette chaire-là. Je suis co-titulaire. On a toujours voulu être co-titulaire parce que c'est une chaire de recherche interdisciplinaire. Alors, mon compatriote et moi, Denis Lagacé, qui est en génie industriel, on a tenu depuis le début à être les deux têtes comme dirigeantes pour cette chaire-là. Pour nous, c'était comme ça qu'il fallait que ça soit. Et je vous dirais qu'on travaille beaucoup en gestion de la performance, donc. On travaille à, entre autres, les trajectoires de soins. On a fait beaucoup de formations sur... on a fait beaucoup de formations. Excusez-moi si des fois on a des délais, parce qu'à Trois-Rivières, on perd des bouts. Des fois, on ne voit pas des sections on ne vous voit plus du tout, là, mais on ne voit pas des fois les acétates non plus. Alors, je travaille sur les trajectoires de soins des patients, mais on travaille en continuité, là, puis tout le cheminement clinique, donc tout ce qui s'appelle gouvernance clinique, notre chaire travaille là-dessus. On a des profs en génie industriel qui travaillent avec nous, des profs en sciences comptables, en administration, tout le côté recherche opérationnelle, donc tout le niveau de les horaires, la gestion des stocks, alors tout ce côté-là. On a travaillé beaucoup avec on travaille encore avec les bureaux de projet qui ont été implantés dans les CIUSSS. On a accompagné les PDG puis les PDGA aussi des CIUSSS pendant plusieurs années. On a fait de la formation depuis 2012. Puis on est encore dans ça avec les 34 PDG. On travaille donc à cette gestion de performance-là avec les salles de pilotage, les tableaux de bord, les caucus, tout cet aspect-là. Des recherches. Alors, voilà pour gestion de la performance. Ensuite, on travaille sur le cheminement clinique du patient. Donc, c'est toujours comme en parallèle parce que on a la trajectoire de soins puis le cheminement clinique pour tout ce qui s'appelle les processus cliniques, les meilleures pratiques, la gouvernance. Donc, cette portion-là, alors la portion clinique. Puis, ce qu'on essaie de faire, quand je vous parlais de la simulation tant informatique que la simulation d'immersion, c'est par exemple, on est à faire un projet où après avoir cartographié la trajectoire de soins des patients, ce qu'on fait, c'est qu'on le simule de façon informatique, puis ça nous permet on est en train de développer un outil d'aide à la décision. Donc, dans cette trajectoire de soins-là, un peu Nicolas disait, hein, des fois on change, par exemple, les professionnels qui suivent les enfants. Mais ce qu'on est capable de faire, c'est on place toujours la même personne qui va suivre le cheminement, puis on regarde si ça a un effet sur les indicateurs de soins. Alors, dans les listes d'attente, vous savez, il y a beaucoup de listes d'attente, puis on dit, bien, si on ajoutait... parce que souvent, c'est ce qu'on pense faire. On dit, bien, si on ajoutait 3 infirmières, est-ce que la liste d'attente serait meilleure, puis est-ce qu'on aurait pu? Alors, en simulation informatique, on entre ça, on le fait, puis on voit les résultats. Puis, ce qui est intéressant, c'est que je vous dirais que c'est la chose la plus facile, de dire, on va investir d'autres ressources, puis tout va bien aller. Puis, c'est faux de penser à ça. Alors, donc, voilà pour ce côté-là de simulation informatique. Puis quand on a des nouveaux processus cliniques, bien, ce qu'on fait avec les équipes de soins, c'est qu'avec la simulation d'immersion, donc la simulation clinique haute fidélité, bien, on débarque dans leur milieu. On a fait ça entre autres à l'urgence de Shawinigan. On débarque dans le milieu avec des mannequins, puis on travaille les nouvelles façons de faire avec des mannequins pour que les gens puissent voir si ça fonctionne ou pas. Alors ça, c'est pour le cheminement clinique. Puis je vous avais dit que je m'étais gardé un peu de temps aussi pour vous parler des troubles de comportement alimentaire. Donc c'est le laboratoire Loricard qui travaille en
partenariat avec le CIUS MCQ et on a développé un nouveau programme qui, où on fait un suivi des patients qui ont des troubles du comportement alimentaire de léger à modéré. Alors, on a une alliance avec Sainte-Justine et Douglas pour référer les cas sévères parce que nous, on prend pas les cas sévères. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait un programme de suivi 4 à 6 mois pour voir si le rétablissement va être meilleur puis si on peut éviter l'hospitalisation aussi. Donc, on est une équipe de chercheurs interdisciplinaires parce qu'il y a des ergos, des physios, des psychologues, une nutritionniste, une psychoéducatrice. Et là, on travaille ce projet-là dans les premiers résultats devraient arriver au mois de mai. Alors, c'est ce que je voulais vous présenter. Et au niveau des activités de mobilisation de connaissances, bien, on en a fait beaucoup et on continue à en faire. Donc, beaucoup de formation continue, beaucoup d'encadrement et de supervision pour vous dire. Alors, j'ai plusieurs étudiantes de deuxième et troisième cycle et des publications aussi. Voilà. Alors, je passe la parole. Merci beaucoup, Liette. Alors, nous sommes rendus à notre troisième thème qui s'intitule « Proche aidant, partenaire et gérontologie ». Membre du laboratoire interdisciplinaire en gérontologie, membre et co-directrice en fait de ce laboratoire-là. Dans ce laboratoire-là, il y a d'autres professeurs du département qui sont également membres, mais qui ne pouvaient pas être ici aujourd'hui. Myriam Esri, qui était professeure clinicienne, ainsi que France Cloutier. Je vais laisser la parole à Marjolaine Landry, qui est au téléphone parce que Marjolaine est à Sherbrooke et les conditions routières étant particulièrement difficiles, elle ne pouvait pas être présente en personne à l'UQTR, donc elle est en téléconférence avec nous. Marjolaine, tu nous entends toujours bien? Oui, tout à fait. Donc, merci. Alors, merci de votre compréhension là, que je puisse être avec vous par téléphone. J'y tenais beaucoup. Je suis professeure, effectivement, en sciences infirmières à l'UQTR, mais au campus Drummondville. Donc, c'est le nouveau campus qui est là physiquement là, depuis janvier dernier. Juste rapidement pour me présenter, j'ai un baccalauréat en sciences infirmières, une maîtrise recherche en gérontologie. Par la suite, je suis revenue au doctorat en sciences cliniques, mention sciences infirmières, et j'ai terminé également un diplôme de deuxième cycle en droit et politique de la santé. Je vais vous en reparler succinctement un peu plus loin aussi dans les projets qui sont en cours en lien avec le droit et les politiques de la santé. Au niveau clinique, j'ai aussi un bon bagage. Là, ça fait plus de 2 décennies que je garde un lien toujours avec la pratique. Initialement, chirurgie, médecine, gériatrie, santé mentale beaucoup, psychiatrie et oncologie également. Au niveau des affiliations de recherche, comme Julie le mentionnait, je suis membre du laboratoire interdisciplinaire de gérontologie de l'UQTR, qui est sur le site également de l'UQTR, si vous voulez davantage d'informations. Ce laboratoire-là, regroupe 15 professeurs, donc de 7 départements. Et effectivement, les sciences infirmières sont présentes. Il y a la psychologie, l'ergothérapie, orthophonie, bref, plusieurs départements d'impliqués. Les objectifs de ce laboratoire-là visent à optimiser le vieillissement des personnes, soit atteintes de maladies, mais aussi également des proches aidants qui représentent mon champ d'intérêt principal aux études supérieures et dans les projets de recherche dont je vais vous reparler aussi un petit peu plus tard. Il y a plusieurs projets de recherche en cours par les membres du laboratoire et c'est fort intéressant. Donc, je suis membre de ce laboratoire. Je suis donc membre régulière du RISIC là, depuis 2014. Je suis aussi chercheuse régulière à l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux du CIUS de l'Estrie-CIUS, qui était un centre affilié universitaire jusqu'à il y a 2 ans environ. Et je suis également chercheuse collaboratrice à l'IRSPUM dans l'Institut de recherche de santé publique de l'Université de Montréal. Donc, au niveau des axes et projets de recherche en cours, je vais présenter ça assez rondement, mais ça me fera plaisir de répondre à vos questions plus tard ou ça va me faire plaisir aussi de répondre à vos courriels le cas échéant. Donc, prochain aidant partenaire, c'est le thème principal, je vous dirais, qui résume mes principaux projets de recherche en cours.
Aux études supérieures, donc, je m'intéressais à la notion de proche aidant, qui était allée au départ à la maîtrise relativement nouvelle, donc on parle d'il y a une vingtaine, quinzaine d'années. Maintenant, cette notion-là de proche aidant, évidemment, elle est plus connue, elle est mieux connue. Par contre, la notion de partenariat avec les proches aidants reste à définir. C'est d'ailleurs ce que deux des projets tentent de mettre en lumière, là, des éléments de définition plus clairs de ce qu'on entend par le partenariat de soins avec les proches aidants, qu'on prend parfois pour acquis. Alors, le premier projet qui est complété, la rédaction d'un document est presque finalisé. Donc, porté sur le point de vue des proches aidants même, de leur point de vue quant à la notion de partenariat avec les médecins et les professionnels de la santé, dont les infirmières. Alors, qu'est-ce qui vient faciliter? Qu'est-ce qui limite? Est-ce qu'ils souhaitent être partenaires? Jusqu'où souhaitent-ils aller en termes de partenariat? Et du côté, du point de vue des médecins, d'infirmières, avec les proches aidants également, on se penche sur ces mêmes questions. Qu'est-ce qu'un proche aidant partenaire, comment on peut amener une personne à être partenaire et à partir de quel moment la personne devient elle-même en si grand besoin qu'on ne peut plus considérer qu'elle sera un partenaire dans le processus de soins. Je dis « on se penche là-dessus » parce qu'on est plusieurs chercheurs de différentes universités qui travaillons sur ces projets. Toujours dans le même ordre d'idée, je dirais, le second axe qui est indiqué, on parle de développement d'un outil d'aide au partenariat entre les professionnels de la santé et les proches aidants. Des premières études, notamment du point de vue de médecins et d'infirmières, découlent un besoin d'être mieux outillés pour travailler en partenariat avec les proches aidants. Donc, on a reçu un soutien financier, le FRQS, Réseau RQRV, Réseau québécois de la recherche sur le vieillissement, pour faire un portrait de ce qui se fait au niveau international en termes de partenariat de soins. Il y a des juridictions qui sont davantage avancées, en quelque sorte. On veut voir également s'il y a des outils qui sont disponibles et soit en développer ou en adapter. Donc, c'est le second axe. Les projets antérieurs aussi dont je vous ai parlé ont été soutenus pour le point de vue médecin-infirmière par un fonds institutionnel de recherche de l'UQTR. Ce qui a facilité tout le processus. Dans les autres projets de recherche qui sont présentés, là, donc également un projet de recherche qui porte sur les proches aidants, leur vécu quant à l'utilisation de services communautaires et services publics. C'est une étude exploratoire qui est menée avec des chercheurs de l'UQTR, qui sont membres du laboratoire interdisciplinaire de gérontologie, dont Lison Marcoux et France Cloutier. Également Sylvie Lapierre. Allez voir qu'est-ce qui fait que les gens ont recours ou non aux services. Et on souligne le fait que les gens y recourent bien tardivement aux services d'aide. Mais pourquoi? Alors, on veut voir pourquoi ils se reconnaissent peut-être pas aussi comme proches aidants. Donc, c'est une étude qui est actuellement en cours. Par la suite, il y a une étude que je vous présente qui porte sur l'évaluation de l'implantation et des effets de l'intégration d'un intervenant social aux équipes d'intervention en situation de crise, policière, ambulancière. Pour mon expertise en évaluation de programme et en santé mentale, on veut voir si l'intégration d'un travailleur social à domicile lors d'interventions en situation de crise auprès de personnes qui ont des problématiques souvent de santé mentale, ben, peut modifier la trajectoire justement de cette personne-là dans le continuum puis mieux répondre à ses besoins. Alors, cette étude-là est en cours. Le volet, un premier volet, là, va se terminer sous peu. On regarde également la satisfaction des personnes ou en tout cas leurs commentaires en lien avec les services reçus. Et également des indicateurs pour le volet hospitalier, volet préhospitalier. Est-ce qu'on peut diminuer le recours aux urgences tout en répondant mieux et de façon sécuritaire aux usagers? Et c'est un projet tripartite et chacune des parties a ses indicateurs. Donc, les policiers ont d'autres indicateurs, de même que les ambulanciers. Pour le volet préhospitalier, ben voilà, on regarde le nombre de consultations, la trajectoire. Est-ce que ces personnes là, qui ont des problèmes de santé mentale, qui n'étaient pas connues du réseau, peuvent être mieux intégrées par la suite et avoir recours aux services du réseau?
pour mieux les soutenir. Et enfin, un dernier projet, je terminerai avec ça. Je vous disais tout à l'heure que j'ai un diplôme en droit et politique de la santé qui a basculé vers la rédaction d'un essai en droit et politique de la santé et qui porte sur le régime juridique des proches aidants, alors qui est en processus. Et ce projet qui est soutenu par les IRSC dans le cadre d'un fellow en droit et politique de la santé. Donc, ça revient encore là à mon champ d'intérêt principal qui touche les proches aidants. Voilà. Merci beaucoup, Marjolaine. Merci de nous avoir présenté tes projets de recherche, tes axes de recherche. Pour le dernier thème, le thème numéro 4, santé cardiovasculaire et soins critiques, j'ai invité ma collègue Lynne Cloutier à venir se joindre à nous, puisque nous sommes les deux membres du groupe interdisciplinaire de recherche appliquée en santé. Donc, Lynne va vous adresser quelques mots sur ce groupe-là, puis ensuite, on va présenter nos différents projets. Merci, Julie. J'en profite pour la remercier officiellement d'avoir organisé notre présentation, d'avoir organisé ça avec une main de maître. Merci, Julie. Alors, bonjour à tous. Moi, j'aurais aimé ça voir les autres sites parce que là, je m'attendais à ce qu'il y ait des boutons avec vos sélections parce que mes collègues ont présenté des choses intéressantes. Donc, je me disais que vous alliez les choisir. Donc, je pense que je fais une blague pour dire que je vois ça comme une belle occasion de réseauter avec vous. Ceux qui sont loin, mais ceux qui sont prêts aussi. Donc, j'ai hâte de voir aussi les portraits. Je trouve ça intéressant de voir les portraits de mes collègues. Puis j'ai hâte de voir les portraits dans les autres sites également. Donc, le groupe interdisciplinaire de recherche appliquée en santé, c'est 15 chercheurs et une quarantaine d'étudiants qui s'intéressent aux déterminants de la santé, à comprendre les déterminants de la santé, à construire les interventions et puis à les évaluer par la suite. On provient de différentes disciplines, on s'intéresse aux habitudes de vie, entre autres beaucoup à l'activité physique. Voilà un groupe qui est bien dynamique, qui est là maintenant depuis 4 ans, mais qui avait déjà un autre 4 ans ensemble comme laboratoire de recherche. Alors moi, j'ai choisi de vous présenter certains des projets de recherche qui sont en cours. J'ai été absente pour un sabbatique, mais aussi un congé pour des raisons personnelles là, pendant un bon bout de temps. Donc, j'ai moins de projets financés, mais j'ai choisi de vous présenter quelques projets qui soient pour lesquels j'aurais besoin d'expertise de l'extérieur ou peut-être des projets qui pourraient illustrer des expertises que je pourrais prêter ou collaborer avec certains de vos projets à vous. Donc, le dépistage de l'hypertension artérielle, artérielle en général me caractérise, la mesure de la pression artérielle également. Là, je présente étrangement, j'en ai pas sur la mesure exactement, c'est plutôt le dépistage de l'hypertension artérielle le premier. Le premier projet, c'est en fait quelque chose de très précis. Je m'intéresse à la différence de pression artérielle entre les deux bras. Mais pourquoi on s'intéresse à ça? C'est justifié au niveau du risque cardiovasculaire, mais je vous en parle aujourd'hui parce que c'est un projet qui est fait en collaboration. C'est une méta-analyse sur des données individuelles, ce que je n'avais jamais fait auparavant. J'avais fait de la revue systématique, méta-analyse Cochrane, mais là, une méta-analyse sur données individuelles. Donc, des gens qui m'apportent de l'expertise, je développe tranquillement, pas vite, c'est le mot, pour la partie statistique qui est assez complexe dans de telles études. Donc ça, c'est un projet qui est financé par le NIHR en Angleterre. Donc, j'en parlais plutôt pour la méthode de recherche qui est vraiment intéressante. Le deuxième, c'est le dépistage de l'hypertension. Alors, j'ai choisi un projet d'un étudiant de doctorat qui est le dépistage de l'hypertension dans un contexte de sans rendez-vous, un contexte d'urgence. Ce projet-là, en ce moment, n'a pas de financement. Mais c'est un projet qui, je pense, pourrait intéresser plusieurs personnes qui s'intéressent à des maladies chroniques pour lesquelles on pourrait penser au dépistage d'emblée dans le rôle des infirmières, comment l'organiser, quel impact y a-t-il en première ligne, quelle est la plus-value de ça. Donc, on est en train de regarder pour le dépistage de l'hypertension artérielle dans un certain contexte, mais je pense qu'éventuellement, on pourrait peut-être dégager des pistes qui pourraient être appliquées dans d'autres secteurs. Et le troisième projet, lui, c'est un projet qui est financé par l'Agence universitaire de la francophonie, pour lequel on a une nouvelle demande qui a été déposée. Et c'est le dépistage de l'hypertension artérielle, mais dans un contexte où dans les pays avec des économies sont émergentes. Pourquoi? Parce qu'on a développé des choses intéressantes au Canada, des lignes directrices, le contrôle de l'hypertension est meilleur au Canada. D'autres pays se tournent vers nous et disent, mais on aimerait ça nous aussi faire ce travail-là, mais ce n'est pas dans le même contexte. Alors, c'est vraiment un projet qui regarde comment est-ce qu'on peut dépister les maladies chroniques, quel est l'intérêt
Bien, évidemment, nos prévalences ici sont à 20 % là-bas, c'est 40 % de la population adulte et c'est quasiment 100 % des gens après 60 ans. Donc, les conséquences des maladies chroniques, comme par exemple l'hypertension artérielle avec les AVC, les infarctus du myocarde, on peut penser que c'est vraiment un problème qui va avoir des coûts sociaux, des coûts individuels très, très importants. Alors, c'est vraiment quelque chose qui intéresse beaucoup. Alors, on a une demande de subvention. Donc, le dépistage, on a un projet qui est au Brésil, un autre qui est à Haïti. Et celui qui est en développement pour une nouvelle subvention, c'est un projet au Cameroun. Donc, je n'ai pas une expérience internationale qui est très développée. Je me suis entourée de collègues et je commence à… Moi, j'étais plus du côté de l'hypertension, mais au Canada. Et donc, ça, j'ai d'ouverture à tout ça, parce que je sais qu'il y en a plusieurs dans le réseau, à l'expérience internationale, puisqu'il y a des visions que j'ai à acquérir et ça serait bienvenu, j'aimerais collaborer. Le deuxième type de regroupement que j'ai choisi de présenter, c'est les interventions au regard de la prise en charge de l'hypertension artérielle. Alors, en fait, je vais aller dans le désordre par rapport à ma présentation de mes diapos, mais apparemment que vous ne les voyez pas pour l'instant. Donc, une méta-analyse qu'on a débutée il y a trop longtemps, 2013, qui n'est pas complétée, mais on s'apprête à le faire. Une revue systématique méta-analyse de type Cochrane nous a démontré que les interventions infirmières et pharmaciennes avaient des effets qui étaient remarquables, qui allaient au-delà des soins usuels réalisés par les médecins. Donc ça, on le sait à partir de notre méta-analyse. Là, on fait des analyses de sous-groupes. On se rend compte aussi que ce n'est pas clair quel est le type d'intervention, puis dans quel contexte c'est le mieux de les poser. Donc, il y a 82 études, on sait là, que quand on les met toutes ensemble, ça démontre un résultat qui est similaire à quand il y avait plusieurs petites études. Mais il y a encore beaucoup de travail à savoir comment, puis dans quel contexte, puis quels sont les outils qu'on doit amener. Donc ça, il y a du travail important. Puis dans ce sens-là, bien, il y a des projets qui sont en cours. Un en Suisse, où on est avec Valérie Sanchi, où on est en collaboration, donc des infirmières et des pharmaciens, mais dans un contexte de santé communautaire, donc un peu différent de ce qu'on pourrait trouver par rapport au GMF ici, mais vraiment des gens dans la communauté. Qui est financé par l'Académie suisse des sciences médicales, je suis co-chercheur. Et on a aussi des interventions multidisciplinaires en prédialyse. Ah oui, ça c'est vraiment quelque chose que je veux parler, c'est nouveau pour moi la néphrologie. Donc c'est encore une hypertension, c'est des interventions infirmières. C'est un projet qui a eu un petit financement, mais pour lequel on veut aller plus loin pour développer des interventions infirmières dans le secteur de la prédialyse. Et je pense qu'il y a des belles expertises ailleurs dans le réseau que je pourrais aller chercher. Donc voilà. Dans l'autre projet, il y en a un que je voulais mentionner, c'est la collaboration qu'on m'a offert pour partager un projet avec Roxane Borghese da Silva à l'Université de Montréal. Donc, je ne voudrais pas le passer sous silence, mais je suis un des petits joueurs des collaborateurs, mais j'ai été très heureuse de débuter cette collaboration-là et je nous souhaite un IRSC pour le prochain concours. Alors, voilà, je vais terminer avec ça et laisser la parole à Julie. Merci beaucoup, Lynn. Alors, je vais terminer. Peut-être un mot sur la mobilisation des connaissances. Parfait. Dans la mobilisation des connaissances, mes collègues l'ont tellement bien illustré, ça fait longtemps que pour moi, c'est important de le faire, donc j'ai développé une série d'outils, mais mes collègues les ont bien illustrés, puis vous pourrez le lire sur la diapositive. Ça va aller. D'accord. Alors maintenant, je termine en me présentant, Julie Hull. Moi, je suis titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en sciences infirmières de l'Université de Montréal. Après ces études-là, je suis allée travailler en clinique où j'ai travaillé pendant plus d'une dizaine d'années, surtout dans les domaines des soins intensifs et de la réadaptation cardiaque, ce qui m'a amenée à développer un intérêt particulier pour ces sujets de recherche-là. Donc, j'ai fait un doctorat à l'Université Laval. J'ai terminé en 2011 à la faculté de pharmacie, où j'ai vraiment trempé dans l'interdisciplinarité parce que mon doctorat est à la faculté de pharmacie. Je suis infirmière. J'ai travaillé sur les comportements, activités physiques et aussi observance ou à adhésion thérapeutique à la pharmacothérapie. Donc, vous voyez, je porte un peu interdisciplinaire là, en ce qui concerne mes projets de recherche. Alors, mes principaux axes de recherche, trois axes qui regroupe l'ensemble de mes projets. Le premier, c'est l'adhésion thérapeutique au comportement de santé dans le domaine de la cardiologie de façon un peu plus spécifique. Donc, je m'intéresse particulièrement à l'activité physique chez les patients atteints d'une cardiopathie ischémique. Mes projets de recherche s'intéressent beaucoup à l'intervention comportementale pour laquelle on va utiliser des techniques de changement de comportement. Et dans ces techniques-là, plus spécifiquement, je m'intéresse à ceux
pour lesquels on peut utiliser les moniteurs d'activité physique tels que le podomètre et l'accéléromètre. Je travaille aussi sur un projet, je suis collaboratrice sur un projet de recherche qui s'intéresse aux facteurs qui influencent l'adhésion à la saine alimentation. C'est un projet qui est dirigé par Simone Lemieux à l'INAF, pour laquelle je suis collaboratrice ici à l'UQTR. Le deuxième axe de recherche qui m'intéresse grandement, c'est l'amélioration des pratiques en soins critiques. Donc ça relève un peu de mon expérience d'une dizaine d'années dans ce milieu-là, pour lequel j'ai un intérêt particulier. J'enseigne beaucoup aussi dans le domaine des soins critiques, surtout au niveau du premier et deuxième cycle. Alors j'ai de l'intérêt à développer des compétences, des connaissances en lien avec l'amélioration des pratiques dans ce domaine spécifique-là de pratique. Alors, j'ai terminé un projet sur la simulation in situ dans le domaine, en fait, dans un contexte de soins critiques. Et je suis également, j'ai le bonheur de collaborer avec deux chercheurs du RESIC qui m'ont impliqué dans leur projet de recherche, un projet sur le Nursing Activity Score avec Maria Cecilia Galani, qui est à l'Université Laval. Et j'ai également un projet en collaboration avec Céline Gélina, qui concerne la prise en charge de la douleur chez les patients hospitalisés en soins critiques. Donc, je suis co-chercheur là, sur un des projets de Céline pour le site ici à Trois-Rivières. Et le troisième axe de recherche qui m'intéresse beaucoup, c'est les problèmes d'activité physique et la santé cardiovasculaire. Donc, je m'intéresse à développer des programmes novateurs afin d'améliorer la santé cardiovasculaire, que ce soit chez des patients qui sont déjà affectés par une maladie cardiovasculaire ou ça peut être également dans d'autres contextes cliniques, comme chez, par exemple les patients avec diabète, hypertension ou tout autre contexte clinique là, qui pourrait grandement bénéficier d'une intervention en activité physique. Alors, pour ces projets-là, en fait, je collabore beaucoup avec mes collègues ici à Trois-Rivières qui sont en kinésiologie, donc voyons, on a quand même des intérêts communs, et qui sont également membres de notre groupe de recherche, le GIRAS. Alors, si jamais il y a des projets au bout de la pratique de l'activité physique de façon un peu plus spécifique, ben, j'ai beaucoup d'intérêt dans ce domaine-là. Alors, je vais terminer encore là avec une petite mention par rapport à mes activités de mobilisation de connaissances. Je suis membre du Conseil canadien des infirmières en soins cardiovasculaires. Je suis responsable du Comité national de développement professionnel. Je dis responsable au Québec, en fait, parce qu'on est quand même plusieurs membres à travers le Canada où on organise des activités de type webinaire, symposium, etc., là, pour en fait favoriser le développement professionnel dans le domaine des soins cardiovasculaires. Je suis également, en fait, invitée au niveau du comité scientifique pour l'organisation du symposium. En fait, on le tient une fois par deux ans sur la réadaptation cardio-pulmonaire. Donc, c'est un comité qui est interdisciplinaire également. Je contribue aussi à l'élaboration de chapitres de livres ou à l'adaptation de livres, particulièrement dans le domaine des soins critiques. J'ai développé aussi une certaine expertise au niveau de la formation en ligne en soins critiques là, pour avoir développé des activités dans ce sens-là. Puis au niveau des patients, bien, je m'implique encore beaucoup au niveau de l'Association des cardiaques de la Mauricie, qui est un regroupement de patients qui offre des services pour accompagner les gens aux prises avec une maladie cardiovasculaire. Donc ça donne un peu le portrait de mes activités là, autres que la recherche. Et on voulait laisser quelques minutes à nos collègues qui sont ici présents dans la salle pour peut-être qui n'ont pas eu l'occasion nécessairement de venir se présenter ici ce matin pour toutes sortes de raisons, mais qui sont avec nous. Donc, je vais tourner la caméra pour que vous puissiez les voir et je vais leur demander peut-être de se présenter et de mentionner vos principaux intérêts de recherche parce qu'ils sont tous de l'intérêt pour le RESIC également. Alors, on peut peut-être commencer avec Maude. Et alors, mon nom. Alors moi, mon nom est Maud Dessougaux, professeure ici, étudiante au doctorat à l'Université Laval avec Mme Clément Dallaire, membre du GIRAS du RESIC. Et mon projet de thèse doctorale, titre provisoire, c'est faisabilité d'un protocole d'intervention visant à faciliter la transition post-hospitalisation des aînés demeurant en résidence intermédiaire. Il y a Marie-Pierre Pagé derrière. Bonjour Marie-Pierre Pagé, professeure, infirmière praticienne. Mon sujet de doctorat porte sur la compréhension de l'utilisation des savoirs anatomo-physiologiques dans la construction du raisonnement clinique des infirmières praticiennes.
sous la direction de M. Gilles Bronchetti, qui est anatomiste et directeur ici du département d'anatomie, et sous la co-direction de Mme Kelly Kilpatrick. Maryse Beaumier. Bonjour, Maryse Beaumier. Moi, mes axes de recherche sont davantage les soins des pieds chroniques sur le droit de prescrire. Je suis à l'expérimentation de mes études doctorales pour l'élaboration d'un instrument de mesure pour évaluer la vascularisation artérielle insuffisante dans les pieds des membres inférieurs afin d'éviter les amputations. Alors, c'est souvent l'évaluation, développement d'instruments de mesure, validité, fidélité, sensibilité, spécificité. C'est un peu mes domaines de recherche. Merci. Oui, c'est ça. Alors, en guise de conclusion, puis en fait, je vais demander aussi à mes collègues de venir en avant pour la dernière partie parce qu'on va laisser du temps pour les échanges et questions. Mais avant, en guise de conclusion, comme vous pouvez le constater, nous sommes une équipe en émergence avec des expériences variées, plusieurs thématiques de recherche aussi qui couvrent différentes partie de la vie. On travaille beaucoup aussi en interdisciplinarité, que ce soit au sein de notre équipe professorale, également au sein de nos unités de recherche respectives. Donc, vous pouvez voir que l'interdisciplinarité est quand même un élément qui est important pour nous. On a des unités de recherche à l'UQTR qui favorisent les projets d'équipe également. Donc ça, on est quand même très reconnaissant. Puis ça nous aide beaucoup à nous structurer et à nous donner les outils nécessaires là, pour développer nos pratiques en recherche. Vous pouvez voir aussi qu'on a une grande diversité au niveau des thématiques de recherche. Donc, on a pu passer de la périnatalité à l'enfance, l'âge adulte, la gérontologie. Donc, on travaille à travers tous les sphères de la vie. Et le mot de la fin, en fait, nous sommes très ouverts à établir des liens de collaboration avec l'externe. Donc, on en établit à l'interne, mais on veut vraiment aussi continuer à développer nos liens de collaboration à l'externe. C'est une des raisons pour lesquelles, pour nous, notre affiliation avec le RISIC, c'est très important. Il y a un bel engouement au sein de notre département là, pour toutes les activités au sein du RISIC. Je tiens à remercier le RISIC de nous avoir donné l'occasion aujourd'hui de vous présenter nos différentes thématiques. Et je voudrais, en fait, laissez maintenant la parole aux différents sites si jamais vous avez des questions, des discussions qui s'adressent à nous, à l'équipe de l'UQTR. Je vous laisse la parole. Donc, comme on disait, on ne vous voit pas, donc peut-être en vous nommant, en disant où vous êtes, on va être en mesure de pouvoir interagir à ce moment. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires de la part des gens en visioconférence? Est-ce que je suis inquiète que vous ne m'entendez pas? Allô, c'est Andrea Leisner de Cusum. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien, merci. On trouvait, malheureusement, deux personnes ont dû quitter, mais on discutait ensemble. Il y a plusieurs domaines d'intérêt de votre faculté qui touchent à des domaines d'intérêt à nos cliniciennes ou chercheurs et même des groupes qui font de la recherche. D'abord, merci pour toute cette ouverture que vous avez faite aujourd'hui de nous en parler de vos projets et vos intérêts cliniques. Merci beaucoup. Puis, vous soulignez qu'il y a des intérêts qui sont partagés. Alors, c'est sûr que là, en visioconférence, c'est un peu plus difficile, mais sachez qu'on a le site Internet, le site web, en fait, du département où toutes les adresses des professeurs sont disponibles si jamais vous avez envie de communiquer de façon plus directe avec les professeurs pour lesquels vous partagez des intérêts. Puis on va rendre le document disponible aussi. On mettra les adresses Internet, les adresses courriel des professeurs qui ont présenté. Merci pour votre commentaire. Bonjour, ici le CHUM. Bonjour. On tenait à vous remercier et à vous féliciter pour cette très enrichissante présentation. On est souvent loin, on ne voit pas très bien ce que font les autres. Moi, c'est... C'est absolument génial l'initiative du RISIC de pouvoir faire le tour
les universités, même en tant que je suis attachée à DSCRC, José Côté est avec moi, elle, c'est sa chaire, mais on travaille ensemble. Mm-hmm. Et moi, c'était ça, mon objectif, c'était d'aller voir tout ce qui se fait d'extraordinaire, c'est le cas, mm-hmm. pour voir comment attacher ça avec par exemple, nos chercheurs cliniciens, pour ma part, ou pour José, plus faculté ou autre. Mm-hmm. Donc, merci beaucoup, c'était extrêmement intéressant. Très intéressant, très impressionné par tous les travaux qui se font, la recherche. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui? Oui, Daniel Milhomme au campus de Lévis. Bonjour, Julie. Bravo pour la présentation. C'est vraiment très, très, très intéressant de voir ce qui se fait à 104 km de chez nous. Il y a beaucoup, beaucoup de travail qui est mis en œuvre chez vous. Puis je trouve ça très intéressant d'avoir un peu une idée des expertises de chacun, chacune. Effectivement, moi aussi, je me retrouve dans certains éléments, entre autres dans le domaine des soins critiques en tant que tel. C'est sûr que moi, d'un côté, je travaille plus d'un point de vue qualitatif en tant que tel, en théorisation ancrée, tout ça, mais je trouve ça très intéressant de voir qu'on peut avoir des points communs ensemble entre UQTR et l'UQAM en tant que tel. Mais bravo encore. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou des questions? Oui, Julie. Bonjour, Sylvie. À l'UQAC. Merci beaucoup d'avoir brisé la glace pour les universités du Québec. Vraiment, vous avez fait une superbe présentation qui a permis, en moins d'une heure, de faire le tour de toutes vos expertises. Puis je suis super contente d'en apprendre plus sur chacun de mes collègues chez vous. J'avais ma collègue Chantal qui avait une question. Ah, ben, je suis fine, non. C'est vrai. Non, mais je voulais juste savoir, le docteur, le professeur, c'est Berthelot, hein, c'est ça son nom de famille? Qui travaille auprès des clientèles pédiatriques, vulnérables, suite à divers traumatismes, c'est ça que j'ai cru comprendre, parce qu'on voyait pas les acétates. Est-ce qu'ils traitent implicitement du concept de résilience? Ben, définitivement, c'est vraiment ce qui nous tient à cœur, c'est de voir qui sont les jeunes, puis éventuellement les adultes qui sortent bien de ces événements-là. Ok, parce que j'ai des facteurs de risque, expérience positive, trauma, je me disais, est-ce qu'il y a vraiment... Parce que moi, je vous demande ça parce que c'est mon concept central d'études doctorales actuellement, la résilience familiale. Puis je retrouvais toutes les dimensions. Je me demandais si c'était un concept qui était exploité sous l'angle de la recherche chez vous. Oui, définitivement. On ne s'intéresse pas juste au risque, mais à la résilience. Puis je vous dirais qu'on s'y intéresse beaucoup sous l'angle de la capacité qu'ont les gens qui auraient vécu des expériences difficiles de réfléchir à ces événements-là, réfléchir aux impacts que ça a eu sur eux. Puis ce qu'on s'est passé dans nos recherches, que maintenant, c'est plus les gens ont cette attitude-là à mettre des mots sur leur vécu, leurs expériences. Même si c'est des expériences difficiles, même s'ils se rendent compte qu'aujourd'hui, ils apportent encore certaines séquelles, plus ils se regardent faire ça, plus ils s'avèrent résilients, notamment dans leur rôle de parent. C'est un facteur de protection qui est reconnu. Tout à fait. C'est intéressant. Ok, bien merci. C'était pour préciser cette dimension-là à vos axes. Merci de vos commentaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui peuvent s'adresser à des chercheurs qui ont présenté ce midi? C'est bon, alors je peux conclure. Est-ce que ici dans la salle, est-ce que vous avez des commentaires, des questions, des compléments d'informations que vous souhaitez peut-être adresser aux gens? Ben, on vous remercie beaucoup pour votre intérêt pour notre équipe, notre équipe qui est jeune, qui est dynamique et qui couvre, comme vous voyez, beaucoup, beaucoup de thématiques. Alors, on vous remercie de l'intérêt de votre temps, d'avoir pris votre temps de dîner pour venir écouter ce qu'on avait à partager avec vous. On demeure disponible. Le document, Julie va le rendre disponible pour que vous puissiez avoir aussi les adresses courriel de l'ensemble des professeurs de notre département. Et puis, ben, je ne peux pas passer sous silence le travail que Julie a fait encore une fois, parce que c'est elle qui a coordonné tout ça avec vous, avec la VESIC et puis avec nous, entre nous. Alors, en fin de session comme ça, là, c'est un gros travail. Merci beaucoup, Julie. Bien, merci. Puis, en fait, c'est un travail d'équipe. On a bien parce qu'on travaille beaucoup ensemble, puis entre nous. Puis, avec vous aussi, on souhaite continuer les collaborations.
moi, peut-être pour le mot de la fin, RESIC, c'était, pour moi, c'est important. J'ai des bons mentors aussi au sein du RESIC. Je travaille beaucoup avec Sylvie Cossette, là, qui m'a accompagnée depuis le début qu'on est rentré au sein du RESIC. Alors, merci à toute l'équipe de nous faire cette place-là. Pour nous, c'est riche. Donc, puis merci à mes collègues d'avoir bien voulu accepter mon invitation. Puis, c'était riche. Merci. Merci tout le monde. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine.